Colonel, est-ce que tu me reçois ? 5 sur 5, quelle est ta situation ? L'ascenseur central semble être le seul moyen de monter. C'est ce que je craignais. Il faut que tu prennes l'ascenseur vers la surface. Mais sois sûr de ne pas te faire repérer. En cas de besoin, contacte-moi par codec, fréquence 140-85. Quand tu veux te servir du codec, appuie sur la touche Select. Si nous cherchons à te contacter, le codec sonnera. Si tu entends ce bruit, appuie sur la touche Select. Les petits os de ton oreille interne sont directement stimulés par le combiné du codec. Toi seul l'entendras. Bien reçu. Allez, que la fête commence. Il y a un ascenseur. Tu peux le prendre pour aller au rez-de-chaussée. Tu dois attendre que l'ascenseur arrive. Cache-toi quelque part pour le moment.
Ici Snake. Je suis devant le centre de recyclage. Excellent, Snake. Malgré l'âge, tu es toujours aussi rapide. La combinaison est-elle efficace? Je suis bien au sec, mais c'est dur de bouger. Vous vous y ferez. Elle a été conçue pour éviter l'hypothermie. C'est l'Alaska, vous savez. Relax, je vous suis très reconnaissant. Sans votre piqûre ni votre combi, je me serais transformé en Eskimo. C'est un peptide anti-gel, Snake. Tous les soldats génomes de cette opération en ont reçu. Je vois. Content d'entendre ça. Déjà testé, hein? Au fait, on en est où de la stratégie de diversion? Deux F-16 viennent de décoller de Galena et se dirigent vers toi. Le radar des terroristes devrait les détecter à tout moment. Un Inde? Colonel, qu'est-ce qu'un hélicoptère russe fait ici? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais notre tactique de diversion a marché. Voilà ta meilleure chance d'entrer incognito. Plus que 18 heures avant la fin de l'ultimatum. Pas de temps à perdre. Wouah ! C'est de la folie de voler avec un IN par un temps pareil. C'est qui, ça ? Désolé, je ne vous ai pas présenté. Voilà Mei Ling. Elle nous a été détachée en tant que spécialiste en traitement de données et de visuels. Elle a conçu le codec, ainsi que ton radar personnel Soliton. Contacte-la si tu as la moindre question sur l'un ou sur l'autre. Ravi de vous connaître, Snake. Très honoré de parler à la légende que vous êtes. Qu'y a-t-il ? Rien. Un concepteur en technologie militaire de renommée mondiale a le droit d'être aussi mignonne. Vous êtes gentil ? Non, sérieusement. Au moins, je ne vais pas m'ennuyer pendant les prochaines 18 heures. C'est ça, oui. Oh, j'arrive pas à croire que le légendaire Solid Snake me drague. Mais je suis surprise. Vous êtes plutôt franc pour un tueur. On a tellement de choses à apprendre l'un sur l'autre. Bien sûr. Je meurs d'envie de découvrir le vrai visage de la légende, mais d'abord, il faut que je vous parle de votre radar Soliton. Snake, vous êtes le petit point brillant au centre. Vos ennemis, les petits points rouges, et le cône bleu représentent leur champ de vision. Faites attention, Snake. La thérapie génétique a surdéveloppé un sens de vision et d'écoute chez ces soldats génomes. Soyez bien sûr qu'ils ne vous voient pas. D'abord, infiltre-toi dans le centre de recyclage et trouve le chef du DARPA. Le chef du DARPA a, comme vous, reçu par injection des nanomachines émettrices. Il apparaîtra sur votre radar sous la forme d'un point vert. Essaie d'obtenir de lui ce qu'il sait sur les terroristes. Enfin, s'il est toujours vivant. Snake, les conditions météo n'affecteront pas votre radar. Mais une fois découvert par l'ennemi, vous ne pourrez plus vous en servir. Oui, il a tendance à flancher facilement. Oui. Il est fabriqué à partir de la technologie actuelle. Vous ne pourrez pas l'utiliser en zone de forte résonance harmonique, alors attention. Nous te suivons par radar, donc contacte-nous par codec aussi souvent que tu veux. D'accord. J'appelle si j'ai le cafard. Sérieusement, Snake. On est là pour vous aider, alors appelez si vous avez besoin d'infos ou de conseils. Je suis aussi responsable des données de votre mission. Contactez-moi pour saisir vos données. Ma fréquence est 140-96. Elle est réservée à la sauvegarde des données. N'oubliez pas. N'oublie pas qu'à part tes jumelles, tu es tout nu. Récupère toutes les armes sur lesquelles tu peux mettre la main. Ah ouais, ça me revient. D'abord, le docteur Naomi m'a fouillé jusqu'aux os, puis vous m'avez enlevé mes armes. J'aimerais bien vous voir à ma place. Si vous revenez entier, peut-être que je vous laisserai me fouiller jusqu'aux os. Cochon qui s'en dédit, docteur. Au fait, je sais que vous allez être déçu, mais j'ai réussi à garder mes clopes. Comment vous avez fait ? Dans mon estomac, grâce à votre piqûre qui a neutralisé mes acides gastriques. Vos cigarettes ? En quoi peuvent-elles vous aider ? On ne sait jamais. Si tu veux entrer... Voici la porte d'entrée. C'est le chemin le plus court, mais tu risques de t'exposer à la vision ennemie. Je suppose que je ne peux pas taper à la porte pour qu'il me laisse entrer.
une sentinelle à droite et une à gauche. Ils ont des 5-5-6 coups et des grenades. Et ce conduit près de la porte ? Il devrait y avoir un conduit au deuxième étage. D'ici, je ne le vois pas. Je te laisse choisir le meilleur moyen d'entrer. Snake, je compte sur toi. Snake, ici McDonnell Miller. Ça fait un bail. Maître, qu'est-ce que vous faites là ? J'en avais marre de faire l'instructeur, alors je me suis installé ici. Au calme. De temps à autre, je participe à l'entraînement des scouts d'Alaska. C'est bien d'apprendre la technique à une nouvelle génération. Campbell m'a parlé de la situation ici. Je me suis dit que je serais peut-être utile. Comme conseiller, je ne peux pas rêver mieux. On connaît un rayon en matière de survie en environnement hostile. J'ai vécu plus longtemps que toi en Alaska, alors rappelle-moi si tu as des questions en ce qui concerne la flore ou la faune. Ma fréquence est 141-80. J'ai transféré le chef du DARPA dans la cellule du premier sous-sol. Et pour le nettoyage du conduit de ventilation ? Ils viennent juste d'ouvrir les clapets. Ils vont commencer la dératisation. Le conduit de ventilation au premier sous-sol. Referme ces clapets dès qu'ils auront fini la pulvérisation. Et n'oublie pas de garder un œil sur la prisonnière. Ne te relâche pas. La prisonnière. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a un intrus. Vraiment ? Il a déjà descendu 3 personnes. Il a tué 3 personnes ? Ouais,
On dit qu'il se déplace comme une ombre. Une ombre. Je ne suis donc pas le seul intrus. Quoi qu'il en soit, je veux que tu renforces la sécurité autour du chef. L'ascenseur pour passer d'un étage à un autre. Il doit y avoir un ascenseur quelque part, alors trouve-le. Regardez le radar! Il a trouvé le chef du DARPA! C'est le point vert! Allez vite le sauver! Snake! Si tu veux descendre ou grimper sur une échelle, appuie sur la touche Action quand tu te trouves à côté de l'échelle. J'ai pris un coup de froid. Décidément, je n'aime pas l'Alaska.
Cette petite a vraiment un corps d'enfer. Du chef du DARPA vient de ce secteur. Il doit y avoir un moyen d'y descendre. Regarde autour de toi en mode observation à la première personne. Qui êtes-vous? Je suis là pour vous sauver. Vous êtes bien Donald Anderson, chef du DARPA? Vous êtes venu pour me sauver? Pour qui travaillez-vous? Ils ont envoyé la bonne poire que je suis pour sauver votre peau. Vraiment? C'est vrai. Vous ne leur ressemblez pas. Dans ce cas, dépêchez-vous. Sortez-moi de là. Pas de panique. Tout d'abord, dites-moi ce que vous savez des terroristes. Les terroristes? Ont-ils vraiment la capacité de lancer un missile nucléaire? De quoi est-ce que vous parlez? Les terroristes menacent la Maison Blanche. Si on ne cède pas à leurs exigences, ils disent qu'ils déclencheront un missile. Oh mon Dieu! En ont-ils la capacité? C'est possible. Ils pourraient lancer un missile. Quel est leur plan pour la mise à feu? Cet endroit ne devrait être qu'un stockage d'ogives démantelées. Ils ne devraient pas avoir accès à un missile. Ce que je m'apprête à vous dire est top secret. Ok. Nous étions en train d'expérimenter un nouveau type d'arme. Une arme qui révolutionnera le monde. Quoi? Un tank mobile nucléaire. Avec la capacité de lancer une attaque nucléaire de n'importe où. Metal Gear? C'est impossible. Vous le saviez? Les Metal Gear est un des projets noirs les plus top secrets. Qui vous l'a dit? Disons que j'ai mes entrées. Voilà donc la raison de votre présence sur ce site. Pour quelle autre raison viendrais-je dans un endroit pareil? On m'avait dit que le projet Metal Gear avait été abandonné. Bien au contraire. C'est devenu un projet conjoint entre Armtech et nous-mêmes. Nous nous apprêtions à nous servir de cet exercice comme données brutes, puis lancer la production de masse. S'il n'y avait pas eu cette révolution... Révolution? Rex est maintenant aux mains des terroristes. Rex? Metal Gear Rex. Le nom de code du nouveau prototype Metal Gear. L'armement de la tête nucléaire dont ils pensent se servir sur Rex doit être terminé. Ces types sont des pros. Ils sont tous capables de se servir et d'assembler des armes. Hé hey, la ferme là-dedans! Je pensais que toutes les têtes nucléaires étaient équipées de mesures de sécurité, comme un code de mise à feu. Ah, vous voulez parler du PAL? Bien sûr, il y a le PAL. Ils auront besoin d'entrer deux mots de passe pour déclencher le lancement. Il y a deux mots de passe? C'est exact. J'en connais un et Baker connaît l'autre. Baker, le président d'Armtech? C'est ça. Nous devons entrer chacun notre mot de passe pour permettre la mise à feu, mais... Ils ont trouvé mon mot de passe. Vous avez parlé?
Psychomantis a la faculté de lire les gens. Il est impossible de résister. Psychomantis? L'un des membres de Foxhound. Il a des pouvoirs télépathiques. J'aime pas ça. Et donc, il finira bien par obtenir le mot de passe de Baker. Et s'il découvre celui de Baker? Ils pourront alors lancer un missile nucléaire. Et il existe un moyen de les arrêter. Lequel? Les cartes-clés. Cartes-clés? Elles ont été conçues par Armtech. C'est eux qui ont conçu un système d'interférence d'urgence. Même sans les mots de passe, il suffit d'insérer les clés et d'enclencher la sécurité. Et si je le fais? Oui. Vous empêcherez le lancement du missile. Cette carte-clé-là? On les trouve où, ces clés? Baker devrait les avoir. Écoutez-moi, il vous faut 3 clés. À chacune correspond une fente. Il vous faudra insérer une clé dans chacune d'entre elles. Ok, 3 clés. Avez-vous une idée de l'endroit où il garde Baker? Quelque part au deuxième sous-sol. Au deuxième sous-sol? J'ai entendu le garde dire qu'il l'avait transféré dans une zone à fort brouillage électronique. D'autres indices? Oui. Ils ont recimenté les entrées, mais ils n'ont pas eu le temps de les repeindre. Cherchez dans les zones où les murs sont de différentes couleurs. Ça vous aidera. Tenez, c'est mon passe. Il ouvrira toutes les portes de sécurité 1. C'est une carte PAN, qui marche en synergie avec le champ électronique corporel. Bien sûr, une carte PAN. C'est ça. Les informations sont transmises par les particules de sel corporel. À votre approche, les systèmes de sécurité des portes liront les données de la carte. Et les portes s'ouvriront automatiquement, compris. Ok, je vais vous sortir de là. Une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a? On ne vous a pas communiqué un autre moyen de désarmer le PAL par hasard, vos chefs ou autres? Non. Vous êtes bien sûr qu'on ne vous a rien dit? Je viens de vous le dire. La Maison-Blanche a-t-elle prévu de céder aux exigences des terroristes? C'est leur problème. Et ça n'a aucune incidence sur mes ordres. Mais le Pentagone... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est quoi ça? Naomi, le chef. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On dirait qu'il a eu une crise cardiaque. Crise cardiaque? Non. Colonel, est-ce que tu me caches quelque chose? Absolument pas. Snake, comprends que cette opération est classée code rouge. Le seuil de sécurité maximum est requis pour l'accès au dossier complet. En fait, tu es en train de me dire que le leader de cette opération n'a pas accès total aux informations. Je te l'ai dit, le patron, c'est le secrétaire à la défense. Moi, je ne suis là que pour t'aider. Snake, on n'a pas le temps de discuter, sors de là et trouve-moi le président Baker.